et ne veut dès lors en priver
c'est la paix partagée pour tous. Aussi, les responsables de la gouvernance mondiale devraient-ils veiller à ordonner les conditions de vie des nations et des peuples, de manière que tous les membres de l'humanité jouissent de la paix, que celle-ci soit réellement partagée. La paix est la tranquillisation divine, l'ordre harmonieux de la réalité. La paix à tous, la paix partagée, la paix pour tous, parce que Dieu les aime tous et il a sa tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Saint Paul ne dit-il pas dans son hymne à l'amour de Dieu, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment avec son Fils ne nous donnerait-il pas tout? Oui, j'en ai l'assurance, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8:31 suivant. La paix partagée, c'est l'harmonie des relations humaines. La paix entre les hommes et les femmes. La paix partagée signifie dialogue, communication, réconciliation entre Dieu et les hommes et les hommes entre eux. La paix signifie pardon mutuel, concorde et entente, solidarité, accueil et convivialité, entraide et partage. La paix de la nuit de Noël, la paix du Christ, c'est la paix des cœurs réconciliés en Christ. Des cœurs sans haine, ni ressentiment, ni rancune. Des cœurs sans duplicité ni malice, sans jalousie ni envie. C'est la paix des cœurs généreux et engagés, des cœurs humbles et simples, prêts à se rendre à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur leur a révélé. La paix des cœurs qui, comme Marie, retiennent tous ces événements et mystères et les méditent incessamment dans leur cœur. Ton frère Luc de Lisbonne. À Noël, la paix du Christ est adressée à toute l'humanité. Parce que l'humanité, hier comme aujourd'hui surtout, est en quête de paix. La paix de Noël vient ainsi assouvir notre désir et soif de paix. L'humanité a soif de paix intérieure. Elle souffre.
souhaite que le Messie qui vient lui pardonne ses péchés et ses penchants mauvais pour que sa vie soit renouvelée. Une paix qui implique une conscience tranquille. Heureux l'homme dont l'offense est enlevée et le péché couvert. Psaume 32:1. La paix de l'âme, la paix du cœur, la paix de la conscience tranquille. L'humanité a soif de paix parce qu'elle a soif et faim de la justice. La paix est fruit de la justice. Isaïe 32, 12. Paix et justice se sont embrassées. Psaume 85, 11. Il n'y a de paix que lorsque ceux qui gouvernent se soucient de la justice, ainsi que nous le dit le livre de la sagesse. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Sagesse 1, 1. Sans ce souci de la justice dans la gestion du pays, on travaille contre la paix. Car le divin enfant que nous attendons à Noël a pour nom conseiller merveilleux, héros divin, Père éternel, Prince de la paix. Isaïe 9, 5. Il est admirable le droit et la les relations
pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants sont marqués par la miséricorde. Tout en lui parle de miséricorde. Rien en lui ne manque de compassion. Pape François, miséricorde et vous tous. Oui. Dans les paraboles de la miséricorde, continue le pape, Jésus révèle la nature de Dieu comme celle d'un père qui ne s'avoue jamais vaincu jusqu'à ce qu'il ait absous le péché et vaincu le refus par la compassion et par la miséricorde. Nous connaissons ces paraboles, trois en particulier, celle de la brebis égarée, celle de la pièce de monnaie perdue et celle du père et des deux fils. Luc chapitre 15. Dans ces paraboles, Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il pardonne. Nous y trouvons le noyau de l'Évangile et de notre foi, car la miséricorde qui est présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur d'amour et qui console en pardonnant. Par François, miséricordiez-vous tous neuf. Je vous souhaite à tous la paix de Noël, la paix du Christ. Puisse cette paix régner tous les jours dans nos cœurs et nos esprits, créer de vraies relations humaines et fraternelles de partage entre nous, dans la justice, dans la solidarité, dans l'amour. Que la bienveillance